Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Car tu es pour moi. Tu es mon réconfort. Tu es l'étendard sur lequel je m'appuie. Mais écoutez, la Bible dit, toutes choses passeront, mais la parole
ne passera jamais. Il est écrit en Jean, le chapitre 1, au verset 1, au commencement, était la parole, la Bible déclare toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle se trouve la vie et la vie, la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais il y a un homme venu de la part de Dieu. Et lorsque on poursuit, au verset 12, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en sa parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mesdames et messieurs, la bonne nouvelle que je veux t'annoncer est que la plus grande, onction n'est pas manifestée par un prophète, mais l'onction réside dans la parole. La parole.
c'est ainsi que après le passé, après le passé, voir le présent, voir le présent, le présent, c'est le temps, c'est le temps que nous vivons, à l'instant, si on te demande, qu'est-ce que tu fais, en ce moment, je viens d'écouter, le chant David, le chant d'Eli, j'ai été béni, et je veux écouter, le prophète parler, sans le présent, c'est le présent, le futur, mais le futur, comme vous l'a dit, c'est des choses qui doivent arriver, Il y a des hommes, qui déclarent que le futur existe déjà. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer ce soir, vous n'êtes pas un être humain, vous êtes, mais vous êtes de la race des siècles. Des siècles. La science, l'infini, la vision, de l'être, qu'une fois, 80 fois, plus que, l'homme, c'est-à-dire, quand un homme s'arrête, avec un être, l'être et l'homme, regarde dans la même, direction, mais non pas, les mêmes regards, l'homme voit, ce qui a sa portée, c'est le présent, ce qui a sa portée, c'est le pain de Lazare, qui est en décomposition. Parce que je suis au sommet de la porte.
tu seras fatigué. Tu seras épuisé. Écoutez, va. Va plus loin. La Bible dit lorsque il arrive à Gethsémané, il se prostère, mais il se met à une distance, d'un chef de pierre, de Jean, et de Jacques. Pourquoi? Parce que aussi, dans le jardin, d'Éden, Dieu était à une distance, dans le ciel. Il va se prosterner. Mais la Bible dit, sa sueur va se transformer en grumeau de sang. C'est une révélation. Forte. Écoutez. La science détaille qu'il existe dans le corps de l'homme. Trois éléments qui sont salés. L'eau. La sueur. Les larmes. Je les prends. Trois éléments. Qui sont salés. Les larmes. La sueur. Et le sang. Quand les larmes tombent sur la terre. Ça ne laisse pas. De traces. Quand la sueur tombe sur la terre. Ça ne laisse pas. De traces. Mais pourquoi? La sueur de Jésus se change en grumeau de sang et tombe sur la terre parce que la matière première à partir de laquelle Chez le fils a été fait c'est la terre pendant que Jésus est à genoux la sueur devient du sang et tombe sur la terre le sel contenu dans le sang Achille, c'est qui la même. Dans le dos, se ce qui se manque de toi, se manque toujours dans le dos, dans le dos.
les ténèbres. Mais il demande, ton nom c'est quoi? Quand je vais aller devant Pharaon, il va me demander quel est le Dieu qui m'a envoyé. Je lui dis, je suis celui qui suis, celui qui suis. Je suis première personne du verbe être au présent de l'indicatif. Pourquoi? Si tu es malade, je suis la guérison. Si tu es un problème, je suis la solution. Je suis le développeur. Mesdames et messieurs, dans le temps dans lequel nous sommes, dans le temps nous sommes, nous sommes, Dieu ne travaille plus par le passé. La Bible dit en Hébreu, le chapitre 11, le verset 1, à la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais, visiblement, c'est trompé. La version anglaise est plus précise. Elle se rapproche de l'original. Dans la version anglaise, on ne te dit pas. La foi, on te dit, now, qui veut dire maintenant, de fait, maintenant, la foi, n'agit pas de même. Mais la foi, c'est la capacité de Dieu de déplacer les deux pieds de Dieu dans le présent et de tendre les deux mains de Dieu et les mains de Dieu pour récupérer dans le futur ce qui va t'arriver. C'est pour cela Joseph a été le seul à interpréter le songe de Pharaon. Est-ce que tu sais, aujourd'hui même, un problème va se créer quelque part. Personne, camarade, personne ne pourra résoudre cette situation. Mais toi, tu es l'homme de la situation. À la place, je vais vous dire quelque chose. Dieu, c'est un agent. Un agent de marketing. Il dit venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Quand tu viens à lui, il dit porte à quoi? Porte à quoi? Dieu ne va jamais te dire la vérité au début. Mais la bonne nouvelle que je veux t'annoncer, la vie chrétienne n'est pas seulement de rose. Tu dois connaître le désert. Tu dois connaître les problèmes et le désert. Mais le désert, mais les problèmes appartiennent au passé. Le problème et les problèmes sont les visas pour que quelqu'un aujourd'hui qui s'est élevé puisse être élevé. Dis-moi d'où tu viens et je te dirai où tu vas. Si tu es passé par le désert, je te dirai la prochaine destination, c'est Canaan. Goliath, je te dirai, la prochaine destination, c'est le roi. C'est le roi. Mais si tu as perdu des moutons, si tu as perdu des moutons, et que tu pleures à cause de ces moutons, quelqu'un va te remplacer. Tu seras roi. Mais tu ne vas pas terminer. Tu peux gêner, tu peux prier, mais tu peux raconter
difficile. Des moments difficiles. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que Dieu va automatiquement te lever. Écoute-moi. La Bible dit un jour, le tour de son mari est arrivé. Il est rentré dans le temple. Et là, l'ange de l'éternel s'est révélé à lui. La Bible dit la femme. La femme. Élisabeth a été localisée par la grâce et la faveur de Dieu. Écoute-moi, ton âge, ton niveau intellectuel n'est pas devant Dieu un critère pour te bénir. Dieu bâti sur d'anciennes ruines. Écoute-moi, là où tout est gâté, ce que les hommes ne trouvent pas de valeur, Dieu prend et trouve une valeur. Est-ce que je vais expliquer? Regarde, tu sais combien de fois la nature s'arrange pour nous donner de l'eau. Je vais t'expliquer. Tu sais, à l'école, je ne me souviens plus de quelle classe, mais on nous a parlé du cycle de l'eau. On nous dit la même eau qu'on consomme sur la terre, c'est la même eau. Sur la nappe phréatique, c'est-à-dire l'eau qui est en profondeur dans la terre, même à l'intérieur, on ne se base pas sur la nappe phréatique, on se base sur des coups d'eau. La seule ici à la procédure qu'on appelle la chloration, c'est-à-dire on prend du Jamel qui est diminué en taux. Les gens quittent, bientôt, les gens
toi. Si tu as dépassé ta chronologie, tu vas être empoisonné. Moi, je suis diplômé en doctorat, en pharmacie, de l'université, du royaume de Dieu. Oui, j'ai des passions. Dans le fond, je me positionne à l'intersection. J'ai un médicament, on trouve pas, en pharmacie, c'est moi seul, je vends ça, la foi c'est ta mort. Absolutely.
serviteur, des hommes, par Marc, de l'homme signifiant, un champ, de l'aigle, un œuf, de Corinthiens, de Corinthiens, tu parles, il y a le temps de Dieu, et de voir, Jésus le juge, celui qui juge, avec équité, quand je parle, un livre, dans les équerres, le bruit, la grande chose, ton Dieu, sa belle, je vous parle ici, vous dites, il a la manière. Je vous parle, il pouvoir, c'est mon pouvoir, c'est mon pouvoir, protecteur, protecteur, un défenseur, mon comparable, mon avocat, ma force, enlevez tout, prenez-moi tout, mais j'ai Jésus, mais j'ai Jésus. Ils ont la capacité de reproduire. Amen.
es-tu? Quand tu regardes, tu penses que c'est pareil. Mais l'œil d'un expert peut voir la différence. Tu sais pourquoi? Les hommes ont tourné le dos. Ils ne sont pas des experts. Mais bientôt, l'œil d'un expert. Je déclare. Est-ce que, avant que je tue, tu peux confirmer que tout ce que je dis est réel? Est-ce que tu peux confirmer? Rapidement. Non, faut pas faire comme ça. Ils vont penser. Non, faut pas faire comme ça. Ils vont penser que je m'en. Et que je me suis entendu avec toi. Est-ce que tu sais que ce que je suis en train de te dire est réel? Est-ce que tu sais? Oui. Le Seigneur. Faut pas tomber. Parce que le Seigneur va transformer ton histoire. À partir de Jésus. Mais le Seigneur me dit. Parce que ce que nous, les hommes de Dieu, souvent on oublie de faire. On donne des révélations. Mais on ne donne pas les recommandations. Le Seigneur me dit, c'est vrai qu'il veut t'élever. Mais je vois. En l'aide d'or. Il faut lui dire d'arrêter. D'être trop capricieux. Tu m'entends? Le Seigneur dit, c'est trop capricieux. Je déclare, à partir de ce soir, pendant que je prophétise, que les choses vont de mieux en mieux dans ta destinée. Je déclare que tu avances, que tu prospères. Regarde, pendant que je prophétise, je vois une personne pratiquement pareille que toi, mais qui porte des lunettes. Mais le Seigneur me dit, elle est parentée à toi. Et je vois quelqu'un de très proche. Je ne sais pas si tu sais avec qui je passe. Elles ne sont pas nombreuses. C'est quelqu'un de très proche. Je vois dans mon esprit comme quelqu'un qui est lié à le sang. Et le Seigneur me dit, je vois le visage clair, mais à l'opposé. Je vois comme si ici là, descend. Et je vois des lunettes. Et le Seigneur me dit, à partir de cette prière, il va te visiter toi. Il va visiter ta famille. Écoute-moi. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Je te vois dans les postes où tu diriges les services de comptabilité. Tu vas dans la vie. Mais ce n'est pas le fait de compter de la vie qui importe. C'est que ton âme avec Dieu ne garantit jamais. Je déclare qu'à partir de ce soir, Dieu te visite. Pendant que je déclare. Que ta bouche soit et déborde au nom de Jésus. Tu es béni. Que plus rien et plus rien ne t'arrêtera, ne te stoppera au nom de Jésus. Dis Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Acclame le Seigneur si le sang avec toi. Acclame le Seigneur si le sang avec toi. Je veux poser. Avec mon staff, une action très importante. Les mères sont importantes pour nous. Les femmes sont importantes. Seigneur, je prophétise sur ces dons que ta grâce s'y attache. Père, ces dons sont insignifiants. Mais lorsque une femme va les recevoir, qu'elle soit comme Elisabeth qui a été restaurée dans le nom de Dieu. Amen. Jésus m'a dit, mon étoile brillera.
Seigneur, nous te remercions pour ce culte que tu as permis. Nous bénissons ton nom pour ces différents chants qui nous ont bénis. Nous bénissons ton nom pour le groupe musical qui nous a bénis. Nous bénissons ton nom pour le temps que tu as rendu favorable. Nous bénissons ton nom pour toutes ces personnes qui ont effectué le déplacement. Nous prions que maintenant que nous avons fini, que ta grâce s'attache à leur vie. Que Père, le ciel soit ouvert davantage sur leur vie et leur famille. Nous prions qu'aujourd'hui, samedi, à l'autre samedi, soit une semaine de victoire, de bénédiction. Toutes les personnes qui vont voyager après la prière, que le voyage soit entre les mains de Dieu. Toutes les personnes qui sont véhiculées, que vos véhicules soient entre les mains de Dieu. Toutes les personnes qui vont emprunter, que Dieu vous emmène sain et sauf dans vos maisons. Que cette semaine soit une semaine de santé, de déblocage, de prospérité, d'onction, de réveil. Je déclare que le malheur ne rentre point dans vos maisons, ni la mort précoce. Mais que cette semaine, Dieu vous mette au large. Seigneur, nous te recommandons à la même occasion dans le pays, depuis le premier responsable jusqu'au simple membre de la société, que la sagesse et la crainte de Dieu habitent chacun. Nous refusons que les démons buveurs de sang affectent notre pays, mais qu'au contraire, la Côte d'Ivoire soit une terre de bénédiction, de sécurité, d'union, dans le nom de Jésus. Dis Amen fort.